Bienvenue à la salle Antoine Verchères. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. J'espère que vous apprécierez beaucoup le spectacle d'Audrey Vernon et que vous allez tirer des leçons pour savoir comment épouser un milliardaire. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que je monte sur une scène. Demain, je me marie. Ce soir, c'est un petit peu mon enterrement de jeune fille, en quelque sorte. Je vais vous donner tous mes secrets. J'épouse un milliardaire. Est-ce que quelqu'un parmi vous gagne plus de 10 millions de francs suisses par an? De pauvres. Ah, c'est pas le cas. On est pauvres, mais on est heureux. Oui. Alors, un milliardaire, j'explique, parce que pour les pauvres, les sommes peuvent paraître un peu floues. Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a 999 millions plus 1. Il y en a seulement 1810 dans le monde, c'est rien. Ce serait des animaux, ce serait une espèce protégée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les tuer pour leur fourrure. Et d'en faire des sushis. En fait, l'homme le plus riche du monde, c'est Bill Gates. En deuxième position, il y a le propriétaire de Zara, Amancio Ortega. Et juste derrière, Warren Buffett, c'est le PDG de Berkshire Hathaway, un fonds d'investissement. Il achète des actions pour les vendre. Lui, il n'a rien fabriqué, rien inventé, et il a 40 milliards. J'adore, ouais. Il change jamais de voiture, il a toujours la même maison, il a épousé la serveuse du café d'en face, il a voyagé une seule fois dans sa vie, il allait en Chine, il a trouvé ça nul. Et son truc, c'est de manger un T-bone sec le vendredi. Et il est numéro 3 sur 7 milliards. Et quand il sera mort, il va donner toute sa fortune à Bill Gates. Pour son association caritative, il repelle des écoles. Non mais vachement bien, hein, au pinceau. Il va tout redonner aux pauvres. Ça, je comprends pas. Toute sa vie, il a vécu le travail des pauvres, il a essayé de ne pas les payer beaucoup, il a plutôt réussi, et à la fin, il leur dit quoi? Surprise, c'était une blague? Fallait pas exploiter les gens si tu voulais pas gagner d'argent, en fait. Je m'appelle Audrey Vernon, et puis mon spectacle s'appelle « Comment épouser un milliardaire ». Comment est l'idée de cet spectacle? Bah, disons que j'ai constaté une explosion des inégalités aujourd'hui dans les gens qui dorment dans la rue, les retraités qui fouillent dans les poubelles, le fait que la classe moyenne et la classe populaire s'en sortent plus du tout, et d'un autre côté, c'est quelques ultra-riches qui sont en train de privatiser la richesse mondiale et de s'accaparer le bien commun. Finalement, voilà cette situation, je me suis dit comment est-ce que c'est né, et puis j'ai eu envie d'en faire un spectacle. Donc j'ai choisi une forme un peu drôle, pour essayer de montrer comment ces... Ils sont 1810 aujourd'hui, comment ces 1810 personnes ont réussi à s'approprier les richesses naturelles, les richesses humaines, enfin, comment ils ont breveté les semences, par exemple. Voilà tout ce phénomène aujourd'hui qui fait qu'il y a... Les plus pauvres s'appauvrissent, la classe moyenne s'appauvrit, même les classes supérieures s'appauvrissent, et puis d'un côté, ces ultra-riches, eux, deviennent de plus en plus riches. Donc voilà, j'ai voulu montrer ça à travers le personnage d'une jeune comédienne qui décide d'épouser un milliardaire, qui décide d'arrêter son métier, en fait, et d'épouser un milliardaire. Entre nous, j'en ai longtemps pensé pour Bernard. Non, pas Tapi. Tapi, c'est un faux. Arnaud, 14e sur 7 milliards, c'est lui qui possède Dior, Vuitton, Sephora
Pensez à lui le matin quand vous vous parfumez, ça lui fait des petits sous. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, sa fortune s'est accrue de 13 milliards. C'est comme s'il avait mangé Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook. Un grand acteur qui fait un film, le pauvre Depardieu par exemple, un acteur russe. Il touche 1 million. Et ben Bernard, il a 3 millions de salaires par an, mais ça c'est rien. 3,5 millions d'actions gratuites, mais ça c'est rien. Et 325 millions d'euros de dividendes. Une année. C'est comme s'il gagnait deux fois dans l'année à l'euro million. Avec les 5 numéros et 2 étoiles. Faut apprendre à gérer une telle somme psychologiquement. Bon, je vous ai fait des fiches. Carlos Slim élu, c'est l'ex-homme le plus riche du monde, il a 15% du Mexique. Je vous ai mis un beau pour ne pas vous décourager. Larry Ellison, c'est le PDG d'Oracle, Java, sur les ordinateurs. Un truc gratuit, on ne sait pas comment il fait. Ah, il est bien. Attendez de voir les autres, vous allez le regretter. George Soros, il a inventé les hedge funds. Bon, après, il a ruiné l'Angleterre, la Grèce, le franc, et en ce moment, il adore l'euro. Bon, qui est-ce qui aime le Nutella? Eh ben, c'est pour elle. Elle est rentrée cette année dans la liste de Forbes parce que son mari, Michel Ferrero, est mort l'année dernière pour la Saint-Valentin. Demain, je me marie. Ça aurait pu être pire. J'aurais pu être obligée de vendre un rein ou une rétine. Demain, je me marie. Maintenant, vous savez comment épouser un milliardaire. J'espère que c'est vous qui serez l'an prochain dans la liste de Forbes. Demain, je me marie, après, je ne vous verrai plus. Vous allez me manquer.